Bonjour tout le monde, bon, bonsoir plutôt. On se retrouve bien entendu pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIV. Pour un donjon, version brutale qu'on a fait lors de cette extension aussi, donc à Abensward. C'est un donjon qu'on a fait assez récemment, avec la grande bibliothèque de Gubal. D'ailleurs, lors de la cinématique, vous avez remarqué que monsieur ici avait présent avait une tenue d'un personnage existant déjà. Oups, on va lâcher notre FF. Il y a des tenues comme ça qui sont de temps en temps qui apparaissent. Donc si vous en voyez alors de mes vidéos, ne vous en étonnez pas. Peut-être quand même faire en sorte que le tank ne meure pas. Faire deux fois la même chose. Par contre, je vois que lui n'a pas eu le bouclier, donc on va lui mettre juste après. On arrive donc au premier boss, de nouveau le démon du tome, comme on avait eu lors de la bibliothèque de Gubal. Et lors de ce boss là, je vous avais peut-être malheureusement un peu spoil sur la différence. Voilà, là cette fois-ci il se décide. À chaque fois que je les affronte dans le livre, je n'y arrive pas, donc je sors du livre cette fois-ci. C'est ce qu'il devait se dire, à chaque fois qu'il nous affronte, il est dans son putaclic. Ben fais attention parce qu'en fait ils vont aller les uns à côté des autres. Juste éviter les avocats. Et voilà. Le premier va se terminer. J'ai fait un bon numéro de jeu là, 69. J'aime. Et en plus, ça m'a permis d'avoir l'objet. Toujours agréable. Je parle bien entendu d'avoir l'objet. Hein.
les AOE avaient été placés, idiot. Oh là là. Monsieur. Venez voir, si vous voulez partir, faites-le avant. Parce qu'à partir du moment où vous restez avec les mobs à certains endroits, ça veut dire que on les combat là. C'est donc les gens qui ont des AOE vont commencer à les lâcher. C'est très ennuyant quand, quand les AOE étaient gâchés. Là, pendant ce temps-là, les AOE continuent à tourner et elles nous font 0 dégâts, tout simplement. C'est assez ennuyant. Flamme liquide. Ça a fortement une technique d'Ifrit. D'ailleurs, une technique du boss du précédent donjon ressemblait également à une technique d'Ifrit. Alors moi plus, je me souviens bien, il faut s'écarter parce qu'il va nous attirer. Par contre, si vous avez un plus alors qu'il est également de cycle plus, il faut se rapprocher. En gros, moi égale moi. Moi et moi, on s'approche. Plus plus, on s'approche. Si vous avez des cycles totalement opposés, on s'écarte. Et voilà, flamme liquide a été éliminée. On l'a vu, j'ai mieux. Donc c'est bon. Il y a juste peut-être ça. Pas ça. La tête, je pense que j'ai mieux aussi. Globalement, j'ai mieux. Ah, les porogues. Les porogos, putain. Je vais bien rester en défense. En heal quoi. Le groupe est assez conséquent. J'ai encore mes stacks donc je peux le faire. Voilà, parfait.
Allez, map tombe comme des mouches. Alors, dernier map avant le boss. Abini. Anapanda, comme j'aime bien appeler ça, mini behemoth. Des bêtes, check. Parce qu'au fur et à mesure, il gagne des stacks de dégâts supplémentaires. Alors, au fur et à mesure, c'est nous qui gagnons des stacks de vulnérabilité. Voilà, c'est ça. Voilà. On arrive donc au boss final. Allez, on va devoir affronter ce hibou. C'est une Trix. Devoir utiliser ce qui arrive au fur et à mesure pour pouvoir s'en sortir. Là par exemple, il va y avoir assez, il faut se servir des vents ascendants qui nous montent de quelques centimètres. Suffisamment que pour pouvoir nous en sortir. Ah, le bel de la musique. Je sais pas. Le principe maintenant c'est d'être transformé en kappa. On va résister à la prochaine technique. Ah non, c'était le contraire. J'ai inversé la technique, ce n'est pas grave. Ah, c'était ça le kappa. Oups. Je réapprends ce combat, ça faisait un bon moment que j'avais pas fait. Behemoth qu'on ne peut pas toucher. La seule chose qui se passe, c'est... l'apparition du météore. Et après on a déjà vu les différentes mécaniques du combat. Tornade, c'est celui-là, parce qu'on est plombé. Obscurité. Voilà. Kappa, on se servira de ça pour se détransformer. Voilà, tout simplement. Thank you.
En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. D'ici le prochain, où on commencera donc une série de 3 primordiales, si je me souviens bien, prenez soin de vous et à la prochaine, tout simplement. Bye!